Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 55e épisode de Planet Crafter, et aujourd'hui nos papillons continuent de grandir. Allez, c'est parti. Orange, bioplastique, j'avais dit. Oui, de l'eau. 5, 6, 7, 8. Ça va mieux. Toi, il n'y en a plus. Et du coup, est-ce que je peux en refaire avec un peu d'eau? 1, 2, 3, 4 bouteilles d'eau. Voilà. C'est mieux. Donc là, il me reste quoi en larve? Il me reste une rare. Séquence-moi ça. Qu'est-ce que je suis en train d'oublier? Ah, mais j'ai posé tout mon bioplastique. Et qu'est-ce qu'il fallait d'autre? Deux engrais T2. Yeah. Si je dis pas de bêtises. C'est ça et ça. Et une algue. Il a presque fini. Allez, je t'attends. Je suis sympa. Un deuxième zéolite. Une deuxième zéolite. Allez, allez. Oh. Moins bien. Oh, c'est pas mal quand même. Ah, j'oublie les habits. Tiens, bah on a 4 mètres par là. Voilà. Alors ça dit quoi maintenant? 74,28. On est à 2,8 kg par seconde, c'est bien. On est pas mal. On est pas mal. Qu'est-ce que je cherchais? Ah oui. Non, c'est plutôt... Pourquoi est-ce que j'étais en doute? Ouh, celui-là, j'avais pas lu. Ah, le message pour les larves. C'était toi. Est-ce que j'ai des fusées supplémentaires, tiens? Est-ce que j'ai des fusées à insectes? Je vais pas regarder. J'ai fusées à plantes. Il s'appelait fusée à biomasse avant.
Combien il produit, lui, par exemple? 225. Sachant que il a 3. Plus 225. Et 75 x 3, ça fait bien 225. Donc, ça n'est pas impacté. Ça sert à rien que j'envoie des fusées pour ça. Ce qui est dommage. Champignons. Rangé. Donc là, ouais, il faut que je rajoute des insectes et des insectes et des insectes. Qu'est-ce qu'il faisait? C'était toi, 75. Toi, c'était que 15. Toi, c'était 8 par seconde. Et ça implique d'avoir des abeilles. Par seconde, c'est tellement rien. Et ça fait de la bouffe. Et on n'a pas de fusée pour les insectes. C'est fort dommage. Ok, on a des papillons colorés partout maintenant. Et donc, ce qu'il va nous falloir, c'est de l'engrais en masse. Je veux de l'engrais. Attends, l'engrais, c'est quoi déjà? C'est avec le... C'est pas avec la flotte, c'est avec le soufre. J'ai oublié. Là, je peux ramener un peu de flotte. J'en prends une pour moi. Ceux-là, ils sont jolis. Donc, engrais. Ah oui, aubergine. Range ton eau. Et on a dit du soufre. Les aubergines dehors. Et bonne soirée à toi, Ombré. A plus, à demain sur Stationnaire, Ombré.
J'en avais en dessous encore des aubergines. Aubergines. J'en ai une. Oui. Ça, on ira pas bien loin. Moi, j'ai un haricot. Ça va. Algue T2, c'est quoi déjà? Engrais T2, c'est courge, 2 cartouches de méthane. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 3 courges. Deux algues de plus. Comme ça, on est bien. Mutagène, c'était quoi déjà? Soufre, cartouche de méthane et bactéries. Et bactéries. Et qu'est-ce qu'il me reste? Des peu communes et des communes. On reprend une commune. Et il faudrait trouver des peu communes. Ah, des rares, je veux dire. Ouais, la nouvelle masse, j'ai... assez sympa. Ça repousse encore le... la terraformation, donc ça, c'est cool. Il y a encore un intérêt à farmer un peu, même si parfois, c'est un peu trop. Enfin, typiquement, là, les larves, faut les trouver, c'est un peu... un peu au petit bonheur à la chance, quoi. Et merci pour le follow, continue ce stream. Là, par exemple, ils sont mélangés. Sortent pas la nuit, c'est ça? Ah bah si. Je trouve deux communes, donc. Je suis venu chercher de la rare. La peu commune, c'est double tranchant parce que c'est abeille ouvert à soi. Ils sont où, mais rares? Y'a pas de ce côté? J'avais rien d'intéressant ici. Je vérifie à chaque fois pour constater que j'ai rien d'intéressant. Sérieux? Fiche des communes. Des rares.
Et bonne nuit à toi, Kayla. Et à demain, peut-être. De toute façon, je vais essayer de trouver des quelques rares de plus. Je pense que je vais pas traîner non plus 3 heures. Ouais. C'est pas la fête à la larve rare, hein. En même temps, elle s'appelle pas rare pour rien. Le gros bouton. Allez, rentre à la maison. J'avais besoin d'un peu de super alliage, je refais le plein comme ça. C'est fait. Voilà. Silicium, j'en avais bouffé un petit peu. Comme ça, c'est fait, voilà. Il n'y a qu'à poser celui-là, ici. Du coup, j'ai deux larves comme ça. Ah! Non. Ah. Allez, on va refaire de la commune. Donc, bioplastique, engrais T2, et osmium, zéolite. Et voilà. Je suis fan des papillons, moi. Plus récent, là. Après, ils volent dans le sol. Ils sont plus récents, mais ils sont... Bon, je vais prendre un coup de commune, hein. De vous, mes petites larves. Venez voir papa. Allez, une rare, s'il vous plaît. J'aimerais terminer en plaçant encore une rare. Peu commune, non? Ouais. Ça se prend quand même, mais... Ah,
Voilà. De commune. On se téléporte à 20 mètres. Du coup. Toi. Ouh, 175. Hop. Ah, c'est parti. Il faudra encore une pépite. Il faudra encore un engrais T2. Et j'ai déjà plus d'engrais. Il faudra encore un zéolite. J'en ai pas mis par là-bas. De l'autre côté, il y a des machines là. Tiens, ici. Hop. Hop. Petit papillon rose. Ça joue un coup. Non, il faut pas. Je veux pas de larves dans ma baraque non plus. Des peu communes, ça représente que peu d'intérêt. Oh non, c'était une rare que j'ai mis. Ah, c'est la loterie, hein. On va en mettre un là-dessous. Oh bah c'est pas mal. Il suffit que je reste au même endroit et paf, ça tombe sous moi. Une rare. Autre art. Mais donc, fiche pas un peu de moi le jeu là. Je cours partout, j'en vois pas, je reste sur place là, dans tous les sens. Est-ce que c'est de mettre des papillons sous les arbres? J'ai fait popper plus. Est-ce que le pop est général? Bonne question. Et avant de finir, j'ai bien envie d'aller faire un petit tour là-haut. Pour voir la tête que ça a depuis, depuis la belle vue. Oh, et dire que l'iridium, j'en avais mis deux parce que j'en avais absolument besoin à l'époque. Youhou. C'est quand même une plutôt une belle vue. Bon, il n'y a pas des papillons partout. Comment ça y en avoir un petit peu. Bon, en tout cas, ouais, je pense qu'on va pas tarder. Mais ça fait une belle, ouais, ça fait une belle vue pour s'arrêter là. Je vais revérifier quoi. J'ai revérifié où est-ce qu'on en est.
Côté terraformation. On est à 78%. Passer au poisson. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Ça, tu es presque plein. Je pourrais refaire un producteur de soie. Qui produit de la soie tellement vite qu'un seul, ça suffira. Mes aubergines sont full. Et les petits papillons qui volent là-bas. Et puis ce biodôme là. Ah. Voilà, les papillons dans la prairie. Que demander de plus? Que demander de plus? Bah les papillons dans la forêt. Mais non, bah c'est... Les papillons sont sympas. Ils sont plutôt bien... Plutôt réaliste. L'animation des... Bah c'est pas extraordinaire, mais... Ça fait son effet. Je vais dire plutôt réaliste. Peut-être pas aller jusque là, mais l'effet est réaliste. Non, c'est cool. C'est cool. Bah du coup, il va falloir qu'on revienne un peu dessus pour voir les poissons. Je pensais que ça allait monter un peu plus vite. Indice de terraformation. Mais ouais, il papillonne bien, c'est ça, XK. Donc il faudra qu'on revienne pour voir les poissons. Ce sera après mes vacances. Donc en tout cas, enfin je pense que ça sera après les vacances, à moins que je fasse un tour de sur... Non, je sais pas, on verra. On verra ça. En tout cas, bah, moi je vous dis merci à tous pour d'être passés. On se retrouvera demain sur Station Ears pour un dernier épisode avant mes vacances. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao.